Ba chef Koutimi. Est-ce que ba chef Koutimi ba ko sangana? Tu veux que nous soyons des mensonges? Tu es là pour l'intérêt en boka. Je te dis ce qui est vrai. Mm. Déjà, chef Koutimi, mon côté, à bout de ma cabine de maman, naïe, aïe, ma belle, n'a qu'à te dire, mon kilo. Azate. Chef Koutimi, mon côté, au téléma, à l'obagano, yé, à salakaboui, à salakabazate. Bango nyon, souba, au salam, intérêt personnel na bango. Parce que depuis Mobutu, il y avait le chef Koutimi. Oui. Et le président Honoré Kabila est venu passer aussi également. Il y avait le chef Koutimi. Et le président qui est en place pour l'instant. Il y a aussi des chefs coutumiers. Est-ce que ma chef coutumier wana ba monaka ba yokaka? Pourquoi? Et la même manière, même na ba concert aux hommes aux ala livrer kala mingité. Il y aura toujours des morts d'hommes. Ba tuana ba zabatu. Papa, je te dis ce qui est vrai. Ba tuana ba zabatu. Mais tant que bozo s'organiser avec le mauvais esprit pour sacrifier ma vie à batu parce que c'est na batu ebelé, diable doit travailler sur on a quatre dimensions. À Bakatu qui le monstre ou à mille têtes. Voilà. Basala y bête. Badi multiplié. Fois nombre. Où est-ce que je suis en âge? Amen. Bamfou mioye. Tout du tout en bas, ni quoi en a-t-il le en fait, le pasteur Roland Dalo, donc, dans les fondamentaux déjà, à Zanon prophétité, en fait, c'est un homme de Dieu, il a d'autres mandats par lesquels il a reçu. Mais ce qui a zoté les macopés, c'est ma prophétie du genre. Là, on a aussi côté mais la prophétie, parce que Bible est zoloba, Habakkuk chapitre 2, alors bi nazan apostes nanga na vandi et nazo zela makambo on zambé akolobelanga après avoir kolobelé makambo onga na lobi. C'est-à-dire, mais Bible est zo continue lobi, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme, vers son accomplissement. Si elle tarde, atala, elle s'accomplissera. Et ça accomplissera certainement. Nous avons besoin de certitude. Et le prophète Akoloba, ce qui est dans la volonté de Nzambé, et que Nzambé a tapé ce qui est message, le temps sera pour moi d'être bien fixé et déterminé. Voilà le message. Je pense que Bandeko va attendre le message. En tout cas, j'ai un message à lancer sur elle. Et à ce temps, il y a un benga pour nous exposer aussi. Je suis en télévision. Belle vie à Salinini, belle vie à Zali, actrice. Toi qui es de gauche, belle vie. Toi qui es de droite, belle vie. Yo, mon nini. Moi, je ne la connais pas, mais je récite son message pendant que je priais. Belle vie, Oyoka, belle vie. Je vous la salue en passant. En fait, c'est important. Il y a un message clé pour elle. En tout cas, à Fabon de l'Anzambé, ma casse. Ma bé, Isa, ma casse, et pour ça, la pimbé, naïe. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait liguer pour se comploter contre elle. Si même le niveau est à poison, face à la très attention. Apôtre, plein de révélations, mais il n'y a pas une concrétisation simple pour la paix du pays. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de vivre dans la confusion pour avoir un intérêt lucratif dans Bango. Vous comprenez? Mais justement, il y a un chef qui dit Babomi Kagame spirituellement. Tiens, c'est un cercueil déjà. Kagame, on a eu ce monde avec Kagame Moutou. Toi, tu penses que Kagame, on n'a pas un Babomi spirituellement facile? Mais bah, Koutimi, bah, lobby. Et puis, il y a Kassai. Je dis que ce sont des menteurs. Un mensonge. Sur le plan spirituel, Kagame n'a pas avant de combien de temps à pouvoir? Plusieurs années. Hein? Alors, il y a aussi Kagame n'a pas avant de aller au pouvoir au Wana. Bah, quand le baké, tu es bien gagné. Voilà, merci à tous et à toutes. Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Chers amis téléspectateurs, Jérémy Louemba, les renards du désert. Et devant vous, alors clin d'œil spécial à tout le monde, je vois rapidement le célèbre Dien Zundu na Washington, Mimi Ndoumé depuis Bundes en Allemagne, Pasteur Doris Morija, ministre depuis l'Allemagne également, je vois Louis Zombala de Madrid, ainsi que tous nos amis et téléspectateurs. Bon début de semaine à tous et à toutes. Nous sommes là avec prophète Patrick et Fatah. On va essayer de parler sur l'actualité, mais également sur les choses de l'esprit. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa Jérémy Lemba, Renard du désert. Nzambe alola pambolayo. A pambol également bande cognon sur Équilibre Télévision. Pour Bazoula d'Abisson, c'est net moment. La bande pour Nabango. Et j'en profite également de grand merci à celui qu'on appelle Charo derrière la caméra. Pourquoi pas un grand merci à celui qu'on appelle Mizoua. La pambolé bande cognon sur Bazoula d'Abisson. Nzambe alola à pambolabango. D'accord, toi démarrer l'émission par la prière.
Les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, Père éternel, nous sommes infiniment reconnaissants que ton nom Jésus soit élevé au-dessus de toutes les choses, au nom de Jésus-Christ, au-dessus des maladies, au-dessus de la loi, au-dessus de la coutume, au-dessus des liens, Père de gloire, il y a un seul nom, tu as été mandaté, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton Esprit Saint, oh Dieu, visite tout et chacun de nous, que cette semence soit une semence de la productivité, de la croissance, de la liberté, pourquoi pas la délivrance et la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, merci beaucoup pour la prière, prophète. D'abord, j'ose croire que Marmé qui est bien. En dépit de ça, quelle est votre lecture par rapport à message prophétique au papa Roland Dalo Apesi, la nation, à l'objet à Moni, la vision, un complot qui s'est fait contre le président Tshisekedi, au moins 4 présidents africains au Bazali associés pour que bah assassiner le président Tshisekedi. Et Zali, révélation, message prophétique au apôtre Roland Dalo Azwaki, et puis là, partager cela à toute la nation. Yo, tant que prophète, est-ce que vous partagez la même vision, la même prophétie ou bien comment? Merci beaucoup, Papa Jérémy Luemba. À chaque fois, on n'est pas un prophète parce que tu dois prophétiser. On n'est pas un prophète parce que on peut interpréter un message. Ou on n'est pas un prophète parce que on peut expliquer un songe, un doute spirituellement par là. Mais on reconnaît un prophète, celui qui a la connaissance des Écritures et la révélation de cette Écriture. En fait, le pasteur Roland Dalo, donc, dans les fondamentaux déjà, Azanon prophète. En fait, c'est un homme de Dieu, il a d'autres mandats par lesquels il a reçu. Mais ce qui a zoté les macopés, c'est ma prophétie du genre. Moi, je n'ai aucun côté, mais la prophétie, parce que la Bible est Zoloba, Habakkuk chapitre 2, alors, il y a un poste qui a vendu, et il y a un zélé macambo, on a un zélé après avoir un zélé macambo, on a un zélé. C'est-à-dire, mais Bible les autres continuent l'obé, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme, vers son accomplissement. Si elle tarde, atala, elle s'accomplissera et elle s'accomplissera certainement. Nous avons une certitude. Et le prophète a koloba, ceux qui ont la volonté à Nzambé et que Nzambé ont appelé ce qui est message, le temps sera pour moi bien fixé et déterminé et par lequel la prophétie doit avoir son accomplissement pour déterminer également que c'est Dieu qui avait parlé. Mais ce qui prophétie est un pari à Moutou, qui est Moutou avant à imaginer et l'autre, parce qu'il y a un combo, pour parce qu'il y a un combo, parce qu'il y a un combo, parce qu'il y a un combo. Déjà, il y a une prophétie au Ekelibanda. Parce que la Bible, il y a Deutéronome, chapitre 18, verset 18 à 19. Alors, je susciterai un prophète au milieu de vous. Je mettrai ma parole dans sa bouche et vous annoncera des choses qui arriveront dans la suite des temps. En fait, je suis un peu dans le monde. Mais il faut peuple bayokayango. Mais ceux qui peuple bayokité, nous allons charger na bango. Je viens avec les émissions précédentes. On a parlé ici, Papa Jérémy, et ce botel en caméra. Vous allez voir des comédies bakoufa. Nakutukomi janvier. Et il y a des répercussions sur ça. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui sont entrés dans le contre la makambaza qui ont s'ignoré. Le peuple des dieux sont en train de s'ignorer dans makambo oyonzambe azoloba. Par rapport à ma vie, na bango, mais par rapport à ma promesse. Na bango. En fait, je suis comme si j'ignorais la vie de mon corps. Parce que lorsque nous avons prédit ma cambo, c'est pour t'orienter dans ma vie, dans ma lame. C'est-à-dire, ce qui m'a fait que nous avons prévenir. Si nous avons dit que nous avons dit Job chapitre 33, nous avons dit clair, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Pendant que nous sommes livrés en un profond sommeil, Dieu nous parle. Mon frère, ils ont battu les petits bolins d'abus sur le moment où nous avons battu la canaille bango. Mais la plupart ne savent pas que c'est Dieu qui leur parle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le fruit de l'Esprit Saint. Parce que la sémence du Saint-Esprit est qu'on permet de voir où il y a un ami à l'obéla pour Oyoka. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que il y a un autre monde dans la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Alors, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix ouvre sa porte. J'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, je soupirerai avec lui et lui avec moi. Il dit, mouto koyoka soya trompette. Et à mouto, il y a un moli manzambi. Parce que si tu n'es pas converti, tu n'es pas affermi, tu n'as pas la sémence du Saint-Esprit, c'est difficile de comprendre celui-là et la voix de Dieu. Parce que la Bible est claire, je connais mes brebis. Et le brebis connaissent ma voix. Et n'attend
autre traversée, ane zo koma na suka. Pourquoi toujours faut baliwe koma? Prophétie est bixa moutouté. Prophétie est quand on la vie à moutouté. Attention. Mais quand Dieu parle de la de manière spirituelle, prophétie pour prédire et l'autre zo koma, il faudra que les gens comprennent l'objectif et la réalité, la finalité de ce que Dieu a prédit pour que ma bébé m'a commenté. Mais au moment de la bataille, il y a quand même une prophétie. A comme un ambongo, à kobala, à ko voyager, à ko zanami tuka, à ko zanaki, je ne sais pas moi dans la vie, mais à komi en moté. Pourquoi? Parce que il a méprisé, pardon, la prophétie. Il y a au moment de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à zolo ba clair, n'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas la prophétie. Et à bako ke ma zolo ba garde la prophétie, mettez-la sur la table. Et on doit la lire couramment. Il faut pas analyser Ango. Mais Bible l'obit clair. Abstenez-vous de toutes les choses mal. Mais retenez ce qui est bon. Or, ils en abattent à quoi il y a des prophéties. Or, avec Dieu, c'est une question de l'intégrité, une question de l'alliance, une question de renouvellement de l'alliance, une question de l'intimité profonde. C'est une question de la vérité, comme dit Jean chapitre 8, verset 32. En vérité, je vous l'ai dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais allez-y comprendre. Est-ce que vérité vous rendra tout libre? Si réellement les gens doivent se poser des questions, ils sont dans la vérité ou ils sont dans des mensonges? Alors, prophète, c'est vrai, au fond, il y a une parenthèse belée. Mais dites-nous quand même, est-ce que vu la réalité, tout le monde peut esprit de mort en haut, côté dans le monde, et ils ont régné, c'est vrai. Et c'est parmi les bateaux, à la fin de l'année, que je suis en train de faire la carte. Pour lorsqu'on dit dans la prophétie qu'il y a quatre chefs d'État qui sont complotés pour l'assassiner. Ils ont agressé Bissot et leurs chefs et tout ça. Vous partagez aussi cette prophétie, non? En fait, moi, je ne peux pas partager la même prophétie. Parce que je ne sais pas par la... quand est-ce que la personne a reçu le message, c'était dans quel moment, c'était dans quelles circonstances, donc on partageait même prophétie naïété. Mais moi, il n'y en aura pas embatté. C'est ce que je vous dis. Si réellement c'est Dieu qui a parlé, on n'en disconvient pas. On a côté mais la prophétie. Vous comprenez? Et surtout si c'est de la parole du Seigneur, de la part des dieux, on aime la prophétie. On entend l'accomplissement. Or. Tu es prié pour nous recevoir. Non? Oh là là. Prier pour. Il y a aussi chef de l'État qui prier pour naïété. Autour de lui, il n'a pas de pasteur avec qui va prier à Ponaïe. Il n'a pas un groupe d'intercession. Oui, c'est un homme d'État, mais il en a besoin aussi de consulter l'Éternel pour affermir aussi en fait, son mandat, pour régénérer encore ce qu'il a besoin. Vous comprenez? Mais le problème est que les gens qui viennent autour d'eux, ce sont des gens qui ont besoin de l'écarter. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils peuvent annoncer le message à question. Parce que ce n'est pas un homme ordinaire. Par rapport à la grandeur, par rapport à la responsabilité, ils peuvent aussi lui parler en privé. Au lieu d'annoncer un message en plein air comme ça, tu peux aussi léser la vie d'une personne. Il y a une confusion. Mais ce qui est important, on doit prier pour les chefs de l'État. Tout le monde est le rappel déjà pour Namboka. Parce que quand nous prions pour les pays, tout le monde est le rappel pour les membres, les patriotiques, les Mokoyo. Tout Congolais, toute Congolaise. C'est-à-dire, nous sommes censés les prier pour lui. C'est pour cela que à chaque fois, tout le monde est le rappel pour les gens. Tout le monde est le rappel pour les gens. Mais qu'il est innocent, ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont fait autoproclamer des hommes d'État. Mais ce sont des gens qui font des magouilles. Ce sont des gens qui font des trahisons par-ci, par-là. La loi de la trahison dit ceci. C'est lui qui trahit mère avant la personne qu'on a trahi. Ils ont abattu belé aux monde bama qui l'a abattu aux gangs là est wana. Baza banyamate. Ce sont des imams. Baza na ba venir mabango onza matia bona se na moyi. Mais à cause il y a iranium, à cause il y a coltan, à cause il y a pierre précieuse au bon mis au sacrifier via moto. Nzambe na likolo article kinyati et la même manière même na ba concert aux hommes aux la livrer kala mingité il y aura toujours des morts d'hommes batouana bazabatu papa je te dis ce qui est vrai batouana bazabatu mais tant que bozo s'organiser avec le mauvais esprit pour sacrifier ma vie à batou parce qu'ils na batou ebélé diable doit travailler sur on a quatre dimensions on travaille na est on travaille na nord on travaille na ouest on travaille na sud. Pourquoi? Parce qu'à placer ma élite, à placer même ma colite naïe. Pourquoi? Il y a des gens qui sont dans des mondes de ténèbres. Ils ont régénéré ma vie, ils ont régénéré ma contrat, ils ont renouvelé même ma force pour travailler dans le monde de ténèbres. Pourquoi? Parce que ceux qui ont tiki, ils ont sacrifié. Il y a un peu avant d'avoir, ils ont dit que je prie à mon Dieu.
les enfants de Dieu ne sont pas de brebis. Oh, yo bango ba kokata bango ba mitou. Le corps on a capé là, tout le corps on a ce qui wapi pour pas sacrifier ma vie pour ma kela bateau qui dit offert. Non, le sang doit crier. Le sang est sacré. Voilà. Merci beaucoup prophète, mais déjà pèsa biso pe commentaire na yo par rapport à un événement que j'ai vu, que j'ai suivi à la télévision. J'ai vu plusieurs chefs coutumiers na Kasai. Ba sangani ebele, ba autorité coutumière, ba chef coutumier, ba dynastie ebele, ba sali marche contre notre, contre l'agression ya Congo par des Rwandais et autres. Mais na landi ba chef coutumier wana balobi ke ba enterré déjà Kagame spirituellement. Babomie déjà spirituellement enterré. Est-ce qu'on peut aussi tuer quelqu'un spirituellement? Mais na vie boye azo tambola azo régner na épée. Vous savez, c'est très malheureux si les gens doivent s'associer pour avoir un but lucratif par rapport à leur propre intérêt personnel. Attention, on ne se manque pas des dieux. Il n'y a pas une autorité le plus suprême si ce n'est pas la divinité de Dieu lui-même. Si ce n'est pas Jésus-Christ lui-même. Tant que vous avez dit que vous avez sangani, ba chef koutimi, ba chef koutimi ba sangani. Est-ce que ba chef koutimi ba ko sangana? Tu vois que nous sommes des mensonges. Tu es là pour l'intérêt en boka. Je te dis ce qui est vrai. Déjà chef koutimi mon côté a beau tamaka bien de maman naye, aye na mabeli na kata de bomoyen na sana mokilo. Azate. Chef koutimi mon côté au téléma alo ba keno ye a sala ka boya sala ba zate. Bango nyonso ba sala mon intérêt personnel na bango. Parce que depuis Mobutu, il y avait des chefs coutumiers. Oui. Et le président Honoré Kabila venait passer aussi également. Il y avait des chefs coutumiers. Et le président qui est en place pour l'instant, il y a aussi des chefs coutumiers. Est-ce que ma chef coutumier wana, ba monara, ba yokaka. Pourquoi? Oyoko Kabila moti salamana, na ba kona, comment appelle ça, na bandira banundu. Na kwa muntu. Les gens sont en train de s'entretuer eux-mêmes. Oui. Mais ils portent le même sale congolais. C'est ingéré. Quel est l'esprit qui anime les gens? Or, ce pays ici a besoin de la délivrance. C'est tous les plombs, c'est tous les domaines. C'est papa, Mbokoyo a besoin de délivrance. Qu'on s'aventure d'elle. Parce qu'il y a des géants qui ont tellement dans Mbokoyo. Des géants comme les fils d'Anak. Tellement dans Mbokoyo. Et c'est un Zambi à tellement. À Sopama, à la RDC. Parce que les gens prient, ils prient mal. Plein les églises, plein les prophètes, plein les apôtres, plein de révélations. Mais il n'y a pas une concrétisation simple pour la paix du pays. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de vivre dans la confusion pour un intérêt lucratif dans Bango. Vous comprenez? Mais justement, il y a un chef qui dit Babomi Kagame spirituellement. Tiens, Serkei déjà. Kagame, on a eu un monde avec Kagame Moutou. Toi, tu penses que Kagame, on n'a pas un Babomi spirituellement facile? Mais Koutimi, il y a et puis il y a Kassai. Je dis que ce sont des menteurs. Un mensonge. Sur le plan spirituel, Kagame n'a pas avant de combien de temps à pouvoir? Plusieurs années. Hein? Alors, il y a si Kagame n'a pas bon pour à pouvoir au Rwanda. Bakolo baké, to bengani ba on a RDC. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on n'a pas besoin que les étrangers ba vivre dans Mboka na biso, ba tangisa makila. Non, on en a besoin de vivre dans la paix. C'est-à-dire Mokoyo, ils ont toute une organisation, ils ont la constitution Mobimba. Oh, et c'est là que je vis. Et bientôt là, j'ai vu, bah, ça les recrutements armés, il y a des jeunes pour l'armée. Oui, c'est une bonne chose. Est-ce que la condition par laquelle oh, bah, jeune, wana, bah, okay, côté, la armée, est-ce qu'il va bah, réunir la bah, condition valable? Ok, mon chat qui est armé, à la bien instruite, à la bien éduquée, à respecter la norme armée. Oui, il y a un frère qui vient de bientôt bétail koulou na moko masasi na makolo. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui a la notion de ce qu'il fait. C'est-à-dire, à boy qui est prison, fait neutraliser comme moto. On a pas norme, mais les gens que vous mettiez à l'armée ici, t'as là-bas imité ce qu'ils ébélé. Qu'est-ce qu'ils font? Ébélé basa ba nonchanté. Mais je bénis également Dieu. Pourquoi? Parce que les jeunes gens se sont révoltés que Mboka n'a ce côté kama. C'est-à-dire, nous sommes censés de lutter pour gagner la terre de notre pays. C'est très important. Et nous sommes censés rejoindre ça va drapeau à RDC place ba longo là qui na Mboka wana. Et je pense que déjà bazungi siango. Et le Rwanda n'a aucune possibilité ou aucune force de renverser la RDC. Jamais. Et ça, la mate. Mboka moko te koza na pouvoir ou le Mboka mouningani moussousou. Pour moko to vivre oyo. Tu penses qu'à l'époque de Mobutu, Rwanda côté de moi. Ce sont les gens qui sont venus
on ne connaît pas qui des pères et des mères. Des fois, c'est qui a raison. Mais je te dis ce qui est vrai. Ah, il a raison. Donc, trop d'infiltrés. Il y a des infiltrés, il y a des étrangers, même à l'armée. Même à Moussa Lankolo, infiltré à côté. Il y a beaucoup de confusion par-ci, par-là. Mais je prie à mon Dieu, en tant qu'un patriote, en tant qu'un roi de l'éternel, que Mokoyou, tout témoigné en Okaka, na Kumba Nzambi, qui va tout vendre dans la Kenya. Il y aura un moment où batoba mona on va ventir mais je prie na batoba landa biso bazo tant to bon de la pona mboka oh très bien prier pour ces pays to bon de la te pour batolo la denile se vous na TV vous batolo bo sangi ta bo tsika va ventir ah chef de l'état là qui na idée à bien pour ça que ça va ça na ntamba bon de la pona mboka mais les gens qui sont venus ça on a pas normalité bon bon benga yo za jeune bon benga ba père papa ba benga ba leader ba sala ba plein ba tout bazana combo papa oh ils a complètement la prophétie Joël chapitre 2 verset 28 qui dans le dernier temps je répandais mon esprit c'est toute chair. Ce n'est pas les vieillards qui auront des visions, ce sont les jeunes qui auront des visions et les vieillards auront des songes. Ba koli ba suna mine bouka mikuati ozolanda ba tsika na ba combo ya pamba vie prophète. Mais ce qui est important, Nzambe en a besoin de utiliser mon pas amokolo tout ça mona moki. Dieu opère dans l'objectivité, dans la vérité. C'est dans l'intérêt du royaume. Maintenant, ceux qui battent, ils ont un intérêt dans mon personnel. Mais au monde, la plupart des gens, ils ont une révélation, ils ont un monde à ténèbres, ils ont un maître spirituel, 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 ils ont un maître spirituel. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Ils ont un maître spirituel, ils ont un maître spirituel, ils ont un maître spirituel, ils ont un maître spirituel. Pourquoi? Ils ont un maître spirituel, ils ont basu maka sa lobati yango zo mona muto a trahir comme ra faible asu ne loka ko lobati mais nzambe oyo akufela biso ne kolosu aza capable ko régénérer mboko yango zo sa mboko na ba vertu nango ndenge sengeli ki ba jeune bazo misala ki ba tolo zo misala ba makambe monana ba makambe fungwama muto to kongole a vivre na kimia pe na piété. Voilà, merci beaucoup, ça c'est très bien analysé prophète Patrick Fata. Nous sommes captés à travers les quatre coins du monde. Je vais remercier Bato Nyos Walingrabiso, Maître Siza Soukama, Puissance Amikili, le boss Chicha Chimbu na Turquie, Pasteur Jérémie Ntambo, l'homme de Malembankulu, Pasteur Olivier Tabala, London City, le vieux Bobo Batombo et Maman Lami Bekantoy na Londres. Gérard Saddam na Manchester. Merci en tout cas à tout le monde. Bouze Bélé, merci beaucoup. Alors, prophète, les Cambobaliens, les comédiens, et comme d'habitude, poudre de chasse, à Koufi, à Bélénine, Mako, le Vimbara Vimbaraye, il paraît que c'est un catcher, ancien cambiste, à comme comédien, Mako, le Vimbaraye, tension qui était mata. Ceux qui peuvent m'assouer, ceux qui peuvent m'attaquer, viennent à Kouvigaraoui. Pierron Ndombasi, mon ami, que je salue en passant, un comédien très talentueux, hier la nuit, moi, on a eu mon pied à Koufi, tout le monde a ma photo, ma vidéo, ils ont continué. Et ils ont eu la négligence, ils ont eu ma famille, fin de l'année, ou bien ils ont ramené papa. Merci beaucoup, papa Jérémy Lemba. Et là, vous voyez que ke... moi, qui que soit race naïe, ne changera jamais face au Vandela. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de théâtre, nous sommes en train de faire des condoléances et paix à son âme, il y a moins de choses. Vous savez, dans le monde du théâtre, ma bezamingi. J'avais annoncé cela il y a cela, si c'est un mois passé. Qui bon monde en quatre monde artistique théâtral, vous allez voir des choses qui doivent se passer. Et je lance déjà un message à celui que vous appelez Bellevue. Hein? Voilà. Sur un message Oyo, je pense que Bandeko va vous donner le message. En tout cas, j'ai un message à lancer sur elle. Et azo tant ya benga pour ne pas exposer aussi makambo ko comme la télévision. Au monde quand tout ce monde Bellevue Salenini, Bellevue Azali actrice. Yoka. Toi qui gauche, belle vie. Toi qui droite, belle vie. Yo, monini. Moi, je ne la connais pas, mais je récite son message pendant que je priais.
belle vie, Oyoka belle vie. Je vous la salue en passant. En fait, c'est important. Il y a un message clé pour elle. En tout cas, à Fabon de l'Ansambé, ma casse. Ma bé, Isa, ma casse, et pour ça, la pimbé, naïe. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait liguer pour se comploter contre elle. Si même le niveau est à poison, face à la très attention. C'est-à-dire, je pense que mon numéro est affiché. À Benga, à Lukanzambe, tout le monde dans ma casse. On a besoin de protection, ma casse spirituellement parlant. Au monument d'un théâtre, on a besoin de mink. Jalousie, et ma casse. Envie, et ma casse. Aux hommes, on a dit, le côté aux hommes, on a mon théâtre. Tito, comme au mois d'avril de 2023, au monde, on a théâtre, on a cas succession par succession. Où y'a aucun, où y'a qui, où y'a qui. Ils ont malade, moi, mouki. Pourquoi? Parce que la plupart entre eux, ils sont en train de se sacrifier eux-mêmes à cause de succès, à cause de jalousie, à cause de mbongo, être vie des hommes. Il y a un danger. Et bien, il y a un monde à ténèbres. Et bien, il y a un associé à Nabango, Namisalamabé. Le talent, c'est bon. C'est beau, bien. Mais le talent, il faut être accompagné dans le travail. Fait accompagner la sérieux, ils ont accompagné aux une zambé au centre Makamounio sur Bozo Sala. Vous allez comprendre que la plupart des gens au Yoruba comme au théâtre ont remarqué nan les humanismes et koufaki et ils ont sous ma casse. Nan qui pédophile et koufaki et ils ont sous ma casse. Nan monde de théâtre au Yoka basi à bateau, au Yoka mbali à bateau, au Yoka mbali à bateau, la kangi nan masi à bateau, nan le monde artistique, même liwa et à ma casse côté wana. Nan bonde l'inzambé, batel mbaluka nan kolo, ba ora sima kikisi, batika. Pas confesser ma loukan kolo parce qu'il m'a baisé ma casse dans mon wana. Je parle de ça clairement et net. Je vois que ya loukan zambi. Ba abandonné nous ba kisi. Ba abandonné. Papa, pour de jeter à koufi à de mon kolo à beli à koufi. Bébé, va toi Pierrot à zamon à mouke. Vers qui ça se koufama à mouke? 79 ans. Alors, je dirais une chose. Dans les mondes spirituels, il y a de réalité des processus. Il y a de dimensions. Mon chose au monéka moutou normal boy. La nuit, à koma à koba. Nous sommes normal, mais pendant la nuit, comme un dragon. Ils ont battu nous sommes ébélé, il y a un totem, il y a un aigle, il y a un dragon, il y a un serpent, il y a une sirène des eaux. Ba beta ba tatouage ba nsoto na bango. Nous sommes là tant na ba louké tout. Ba flair au mon flair simple ka flair. O ba to ben na flair rose, le kuta. C'est une fleur par laquelle il attire ka vie à battre vers Yango. Pourquoi? Parce qu'ils ont attiré dans le monde des ténèbres, ils ont animé la sirène des eaux où est Léviathan. Ils ont remarqué que les gens ont une fleur. Ils ont dit qu'ils ont une fleur. Ils ont dit pourquoi? C'est tout un esprit. Ils ont dit fleur, ils ont dit qu'ils ont une fleur. Pour être là, ils ont une fleur. Justement, la fleur, la fleur a toujours été exposée. Pourquoi? Pour attirer vie à moi. Et ce qui va tellement baloukin zambété. Ané comme une souka. Nous sommes dans le théâtre. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Il y a des gens qui ont des domaines quelconques. Mais il y a besoin de calmer les gens. Il y a des gens qui ont fait de l'année. Il y a des gens qui ont des années. Il y a des gens qui ont consommé 11 mois. Il y a des gens qui ont des attention. Quand tu appelles janvier 2023, ok. Parce que l'homme n'est pas le maître de son propre souffle de vie. C'est Dieu qui est le maître de notre souffle de vie. Ils ont appartenu à la bisauté. Ils ont appartenu à la mouta à la. Mais ce qui va être télémite au Lukanzambi, quand le Lukanzambi est en décembre, il faut que tu aies un fondement, il y a une alliance pour la fille à Banabango, pour la misala, pour la santé, pour la foyer, dans le domaine de la vie. Il ne faut pas renouveler l'alliance dans Zambi. Il y a un Lukanzambi. Année Oyo, ils ont aussi une façon beaucoup compliquée. Mais début année 2023, il y a des signes et des prodiges. On Zambé à la Rakibat. Il faut que tu regardes 2023. Si on a 2020, Zambé à la Kiti. Dans 2023, il fera. Il est Dieu. Il est capable de transformer la vie d'une personne. D'accord, Zambé, Zambé, Zambé. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Nous voici arrivés complètement à la fin de cette émission. Maman Clotilde Bondo, le plafond des reines. Nous vous saluons. Honorable Claudine Louyeye, qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Je vois également Nadine Maifouila, qui séjourne encore en Kinshasa. C'est ma Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Je vous remercie pour tout. Restons en contact. Le numéro de l'homme de Dieu, Patrick Efata, est affiché au bas de vos écrans pour plus de messages, suggestions, prières, questions, contacts.
L'homme est ici à Kinshasa, il est permanent. Voilà, Mimindoumé, nous vous saluons, Mimindoumé Nabundes. Merci pour tout. Yalu Zombala de Madrid, le célèbre Dien Zundu na Washington, l'homme de Déchité. Clôturer mission, un message d'espoir na bande koyo, baza bouleversé par les événements. Merci beaucoup, hein, Papa Jérémy Lemba, le renard du désert, Nzambi Apambola yo, pe Apambola, Bandeko Nyoso, Azul Bako Kitoko, Yakolanda le prophète Fatana Mama Oyo. Vous savez, je vais martéliser sur un point, Oezaki, année comme la souka. Il n'a pas tout le monde, il n'a pas tout le monde, il n'a pas tout le monde, ils ont abattu Biki, ils ont abattu Boti, ils ont abattu Bali, ils ont abattu voyager, ils ont abattu Souma Pango, ils ont abattu Soumi Mituka. Mais quand tu regardes ta propre vie ainsi, apparemment comme si ta vie ne marchait pas de la même manière, ta pensée, ta vision, la question que je me suis posée, est-ce que vision est la vision de Zambé? Ou bien on se vit dans la confusion. Mais je ne mérite pas qu'il y ait l'emba. Mais si tu as quitté l'emba, relève-toi encore. Il y a encore un grand temps. Ce qui nous a mis à opérer, qui n'a eu été en février, il est capable d'opérer nous même en décembre. Il est capable d'opérer nous dans la clé d'œil. Ta foi est la perturbée. Tu sais que la foi bouge devant les circonstances de la vie. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu mets ton fondement de la foi comme espérance à Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement pour manifester quelque chose de bon dans votre vie. Yo mutuzaki pètre la malade. Yo mutuzaki n'a pas de problème. Yo zoluka ba document. Je t'assure, il y a un Dieu. Yo mutuzaki au déplacé. Foyer n'a pas de problème. Banaka kobela. Ané komina souka. Ozalaki n'a pas de projet, vision, n'a pas de directive. Tika nzambe autres au bon de l'anzambalola. Atelemape akangola vina yo. Je prie à mon Dieu. Yo mutuzaki malade. Kabisiko vandi. Le boko nzambe kota l'hôpital wana. Malade oyo ba mexe ba lembani nango, il y a un Dieu à lembana ne le côté, rien n'est impossible à Dieu. L'impossibilité n'a pas de vocabulaire devant l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu vous comble, que le Saint-Esprit de Dieu, que la capacité de faire au-delà de la pensée de l'homme à kota na vina yo, à fungo la santé ya bana yo, roba bela kama kilesi la rabango, na sakoli makila Yesu et régénérer ma vie na bango au nom puissant son de Jésus-Christ de Nazareth. Yo mutu za ki na ba problème. Yo mutu manda kokati obandi makambo osi lisate. Ba ndoto ya mabe. Si ka Nzambe a restauré motema na yo. Que le fruit de l'esprit soit restauré dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Na déclarer le boka Nzambe et battez là parce que Bible zolo ba si l'Éternel ne gardait pas la ville, c'est lui qui garde la ville. Oh, la garde avant. Je déclare au nom de Jésus. Nzambe à Kangoula, à Bomba Libotanayo, à Néo et Silo Koufela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est qu'à faveur en Zambé, et à la faveur en Ayo, dans le nom de Jésus-Christ, de Tolobi. Amen. C'est quand même de connaissance sur Azul Bakoumalamo, Yako, l'un des prophètes Fata. Je pense que mon numéro est affiché sous la barre d'écran, plus 243 82 21 78 177. Benga le prophète, Yom, tout ça n'a pas de problème, quel que soit démonstration, problème n'a tout ça qu'on a 4 jours, il y a ma bonne délire, kafou, kafou. Au colo à 5, il y a juste renouvelé alliance na yé, na vie à ban, na vie à foyer, Yom, tout ça n'a pas l'été, au renouvelé alliance, dans ma peso mbala à malonga, peso mwa si abia, peso stabilité, a peso pédicure, au mot qui le copé sa yoté. Tout ça, bon de la Nzambe, Nzamba Téléma, à côté ma kamouna yo. J'en profite également de dire un grand merci à celui qu'on appelle Charo derrière la caméra. Pourquoi pas dire un grand merci à celui qu'on appelle Mister Misoa, la peau noire, Nzambe Apambolo, mon frère. J'en profite également de dire un grand merci à celui qu'on appelle Jérémy Lumba, le renard du désert, Nzambe Apambola, équilibré, babonne nyonso, abonnez-vous encore massivement, Nzambe Lola, à cause d'un gâté, Kopambola Bino, Bouyano Toluka Nzambe, ceux qui l'obéissent, Mbakiti, Yatoulou Kenon Lelo, Nzambe Telema, puis Akangola Finayo, bye!